Et c'est le retour. Salut à toutes et à tous, c'est Tudum Games et bienvenue les amis, bienvenue dans le 10e épisode de Arkvania. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, car aujourd'hui on est de retour sur Ark, ça fait plaisir, ça fait longtemps. J'ai récupéré un nouveau PC, ça y est, j'ai un nouveau PC. Il est tout neuf, il est tout beau, il est tout propre et surtout il fait tourner Ark. Donc on est de retour pour de nouvelles mésaventures sur la série. Ah, je suis vraiment content. Je suis vraiment, vraiment très très content de retourner du Ark, de passer un petit peu de temps en votre compagnie, même si c'est pas une compagnie directe, ça fait toujours plaisir. Et comme vous l'avez vu, eh ben, j'ai avancé un petit peu, j'ai pas mal farmé, et il y a ma maison qui avance petit à petit. Alors là, c'est vraiment le début de ma maison, hein, c'est on va dire la première pièce de la maison, ça va être le centre. Ça avance petit à petit, il me faut juste beaucoup de métal, et j'ai pas beaucoup de métal, donc voilà, là au moins on est fixé, c'est un petit peu la misère. Alors ce que on va faire aujourd'hui, c'est déjà deux derniers cadres de porte, voilà comme ceci, et on va faire quelques petites fenêtres, et ça tombe bien parce que j'ai également ramené un petit peu de cristal, et j'espère juste avoir assez de ciment par contre pour ça. Hop, on va prendre déjà ça, voilà, comme ceci, bim, on va mettre ça là-dedans. Alors, c'est pas du cristal qui manque. J'espère juste qu'il manque pas du ciment, s'il vous plaît. Hop, on va prendre du métal en plus. Excellent. Voilà, des petits allers-retours comme on aime bien. Et aujourd'hui, c'est une reprise en douceur. Aujourd'hui, on va tranquillement reprendre nos habitudes. Voilà, on va faire 8 fenêtres. Hop, qu'on va mettre ici. Les cadres de porte qu'on va mettre là. Et on va aller avancer un petit peu là-dessus. Parce que clairement... Oh, je suis assez porté. Ok, très très bien. Je pensais pas pouvoir porter tout ce que j'ai sur moi avec, avec le Ptera, mais ça fonctionne bien. Alors, on va mettre les cadres de porte comme ceci et comme cela. Voilà, comme ça on a une petite pièce principale plus ou moins finie. Ici, on va poser les fenêtres. Voilà. Ici, on va également mettre du coup des fenêtres. Tac, tac, tac. Tac. Ici, il y aura une porte pour pouvoir accéder à la forge. Ici, ça va être fermé. Ici, il y aura une porte. Et ici, ça va être fermé. Et ben, comme ça, au moins, on est fixé. Qu'est-ce que c'est, ce Ptera? Il n'est pas à moi? Non, il n'est pas à moi. Bon, bah du coup, la maison, elle avance petit à petit. Mais aujourd'hui, on va faire autre chose. Aujourd'hui, on va pas faire de la construction. Vous en avez déjà eu à l'épisode précédent avec la forge indue. Aujourd'hui, on va déjà regarder un petit peu les dinos qu'on a. Parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de dinos. Alors, il va vraiment falloir que je les range, hein, parce que c'est le bordel. Je pense qu'on fera un live, alors pas ce soir, mais je pense demain, par contre, on fera un petit live où on devra un petit peu ranger tous les dinos, parce que là, clairement, il y a besoin de rangement, hein. Ça, c'est plus que certain. Il faut du rangement. Aussi, lors du dernier live, on avait tamé, du coup, deux allosaures. Il y a un petit allosaure ici, un petit allosaure là. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'avais promis à un tipseur de renommer son allosaure à son nom. On va le faire là tout de suite. Créature, changer son nom. Hop, tac, tac, tac. Je t'ai pas oublié, monsieur Quentin. Tu es désormais un allosaure. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite caverne pour commencer en douceur. La première caverne du jeu. Donc je vais aller me chercher quelques armes. J'ai looté, je crois, un arc à poulie plutôt intéressant, mais j'ai pas les flèches. Donc ça sert à rien que je le prenne. C'est celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une lance avec moi pour les scorpions. On va essayer de se trouver une petite arbalète. Quelques flèches, et puis écoutez, on va aller avec ça, hein, on va pas s'emmerder. On va aller faire la première caverne du jeu, la caverne la plus... Ok, nous sommes en route vers la première cave du jeu, et il y a un petit beacon jaune là qui m'attend. Allez, 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 c'est de la merde. Oh merde, ça me fait penser, on va y aller quasiment pas habillé, hein, pour le coup. J'ai vraiment une tenue pourrie. Eh ben, j'espère que ça va bien se passer. Ça va être le petit challenge d'aujourd'hui, ça va être de faire cette petite cave à moitié habillé, on va dire. Et du coup, on n'est plus très loin. On n'est plus très loin, maintenant c'est plein sud. Elle est droit vers le sud, là. C'est une cave qui se situe... Alors, si on regarde bien la carte, je pourrais vous la mettre en premier plan? Non, je peux pas. Elle est en 80 environ. 50... allez, 54. 80-54. C'est la cave la plus facile, hein, c'est la cave du sud. Je pense que ça devrait bien se passer. Je l'espère. On verra bien. Ok, on est arrivé à la caverne, ou du moins presque arrivé, je crois qu'elle est par là. Ouais, elle est ici, parfait. On est arrivé les amis, et il est grand temps de la faire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh mon dieu, bon, bienvenue in the caverne, bienvenue
dans la première caverne de cette aventure. Le premier artefact nous attend. On va augmenter un petit peu le gamma. Voilà, gamma 3, c'est très très bien. J'ai pris avec moi une arbalète qu'on va charger. Un revolver qu'on va charger. J'ai également un petit fusil d'assaut dans l'inventaire au cas où, mais je pense que ça devrait très très bien se passer. Ok, on descend petit à petit et à partir de là, il devrait commencer à spawner quelques mobs. Alors j'espère juste qu'il n'y aura pas trop de mégalania et trop d'arthropleura. Alors c'est une cave sans chauve-souris, donc normalement c'est déjà pas trop trop mal. Je fais attention, les mégalania sont souvent ici au plafond. On va quand même garder un œil ouvert, voire les deux, ça peut servir. Attention. J'espère juste qu'ils sont pas dans les murs, les mégalania. Ok, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est la grande question. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Si on va par là, on va rapidement à l'artefact. Si on va par là, on va rapidement vers la mort. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va d'abord aller vers l'artefact. Et après, on ira un petit peu plus du côté de la muerte. Et voir un petit peu s'il y a des mégalosaures ou des choses intéressantes. We did it. We did it. Ouah! Alors, c'est quoi la touche pour charger? Ok, c'est haut chez moi. Pour l'instant, c'est calme, c'est cool. C'est cool, il n'y a pas trop de cons. Très très bien. On court un petit peu. Eh oh! Les méchants! Où êtes-vous? Non, tout va bien. Il n'y a pas trop de mobs. Peut-être quelqu'un est passé juste avant moi. Eh ben écoutez, si quelqu'un est passé juste avant moi, c'est très très bien. Non, ça a l'air plutôt calme, hein. Premier abord, ça a l'air plutôt calme. Mais eh ben écoutez, moi je vais aller vers l'artefact, hein, on va pas se priver. Après, on ira faire la deuxième partie quand même, histoire d'avoir deux, trois petits mobs à se mettre sous la dent. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a même rien, j'ai envie de vous dire. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Alors, à moins qu'ils soient tous au fond de l'eau. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, non, ils sont sous l'eau. Hein. Il n'y a pas... Non, non, ils sont en dessous. Et puis, il y en a qui se suicident. Ouais, non, non, les mobs sont en dessous. Ok, d'accord, ils sont tous... Ouais, très bien. Très bien, il n'y a pas de problème. Bah, qui reste sous l'eau, hein, écoutez, il n'y a pas de souci. Ouais, d'accord. Et ben en fait, c'est pour ça, il y a tellement de mobs dans la caverne que ça spawn pas. Mais en fait, ils sont tous sous l'eau, ce qu'il y a. Donc, ouais, mais ça va pas beaucoup respawner plus. Mais bon, c'est pas bien grave. Hop, allez, artefact. C'est fait. Excellent. Et du coup, maintenant, on va retourner vers notre deuxième chemin. Je suis sûr si là... Il n'y a personne. Ok, ça y est, j'ai sorti le fusil d'assaut et il est grand temps de prendre le deuxième chemin à commencer. Alors, je crois que c'est N pour le viseur. Ouais, très bien. Ça ne vise rien du tout, hein, ce truc laser. Ouais, vite fait. C'est nul. Ah, c'est nul. Bon, allez, hop, ça meurt. Bon, on va finalement ressortir le revolver, c'était très bien aussi. J'ai envie de vous dire, ça c'était très très bien. Il y avait un inventaire ou pas? Non, il n'y avait pas d'inventaire. Alors là, attention, Mégalania et attention, toute autre plaisanterie de type arachnide et autres. Ah, recharge. Ok, il y a un scorpion là-bas. Allez, voilà. Hop. Et merde. Tac. Parfait. Eh ben écoutez, c'est nickel. Bon, maintenant on va prendre un peu plus l'arbalète parce que je me dis que s'il y a un petit mégalania qui me saute dessus, je serais bien content d'avoir mon revolver encore avec quelques balles. Hop, ça, j'en veux pas. Par contre, le revolver, on va juste le recharger. Ce sera beaucoup plus simple. Il y a une note ici. Il y a une note, on va la prendre. Le caprosuchus, parfait. Alors ça réouvre pas les notes parce que du coup, je les ai déjà... Je les ai déjà prises. Et je pense qu'à chaque fois que vous allez voir une caverne, comme aujourd'hui, je vais la faire de A à Z. C'est-à-dire que je vais vous montrer les notes, les chemins et l'artefact. Attention, on spawn par ici. Note, artefact et puis les chemins de la caverne, les mobs qu'on peut trouver, etc. Ok, bon, ça c'est bien. Il n'y a pas de mégalania du tout, j'ai l'impression. Il n'y en a pas du tout, du tout, du tout. Bon, après, c'est pas plus mal, hein, mais bon, c'est dommage. C'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé un peu plus de challenge, là, pour une première caverne. Mais bon, c'est pas grave. Alors, normalement, si je continue par ici, il y a encore une note. Ouais, elle est juste là-bas.
piste là. Et après, on arrivera du côté de l'artefact à nouveau. Donc ça servira à rien qu'on y retourne. Hop. Allez, on va se mettre un petit peu de challenge. On va essayer d'aller voir s'il n'y a pas un petit Sarko qui veut montrer le bout de son nez. Non, par contre, il y en a là-bas. J'arrive pas à le toucher. Hop. On va faire ça. On va faire ça. Allez. Rien touché du tout. Bon, bah c'est pas grave. J'ai essayé de les attirer, j'ai pas réussi. Ah, oh, quoique l'arbalète depuis sous l'eau, ça devrait se faire. Attendez, on va encore essayer un dernier coup. Essayer de ressortir les deux sarcos qu'il y a là-bas. Oh, merde, Pirna. Allez. Oh, ça touche. Oh, parfait, parfait, parfait. Maintenant, il faut juste ressortir de l'eau assez rapidement. Voilà, et on se tient prêt. Oh, il est vénère. Oh, il est vénère. Oh, merde. Touché. Coulé. Allez, recharge. T'es quel level, toi? Pas terrible. Voilà, parfait. Eh ben, c'est une bonne chose de faite. On va vite récupérer les écailles. Plouf. Le loup de verre, je sais pas si j'arrive à aller le chercher. On va quand même aller voir. Je pense qu'il y aura un petit truc en tissu. Allez, une petite selle de cheval, ça pourrait être cool. Allez. Ah, dommage. Trocoptodon. C'est pas bien grave. Ça fera un petit schéma en plus. C'est cool. Bon, bah finalement, il n'y a pas eu grand chose dans cette cave. C'est un petit peu dommage. J'aurais aimé un petit peu plus de challenge. Mais c'est pas grave. La prochaine cave, je pense que je ferai un petit clear peut-être avant d'y aller, histoire que ça aille bien repop. Et histoire qu'il y ait un petit peu plus d'action, on va dire, dans la cave. Donc maintenant, il nous reste plus qu'à ressortir. Alors pour ressortir, on va encore prendre un dernier chemin, c'est le chemin de gauche. Et alors là, normalement, il y a plein d'araignées dans les murs, d'habitude. Hein, je pense qu'il n'y aura rien du tout, mais ne sait-on jamais. On va quand même sortir un peu plus armé que ça. Et puis on va espérer que ça se passe bien. Je pourrais ramener un petit peu de cristal, je pense. Ah, peut-être qu'on ramènera un petit peu de cristal, pourquoi pas. Bref, y a-t-il quelque chose dans le dernier couloir? Absolument pas. Y a rien du tout. Y a rien du tout. Mais alors du... Ah si. Quand même. Une. Je pense qu'elles étaient deux. Même pas. Et mais vraiment nul hein. Oh là 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 là. Eh ben écoutez les amis, c'est pas bien grave. Y avait pas grand chose dans cette cave. On se retrouvera pour une prochaine cave très vite je pense. Hein, parce que là, on va commencer à enchaîner un petit peu les artefacts, etc, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, nous, on va s'arrêter là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et en tout cas, on se retrouve très vite. Peut-être même ce soir dans la nuit. Peut-être pour un petit live arc, je ne sais pas encore. Peu importe, je vous tiens informé sur Twitter, sur Discord. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles mésaventures. Ciao. Bye bye. Vraiment une tête de con avec ça sur la tête. Hein. Enfin bon, allez, on se tire de là.